Ok. Nouvelle petite vidéo. Ça, c'est une petite vidéo, on ne peut pas dire de récapitulatif de tout ça qui est sorti fait ces derniers temps-là. Là. Et que Guadeloupe a constaté qui passait ces derniers temps-là. Qui veut dire les différents mouvements de Guadeloupe, les différents. Chalus mise en garde à vue, etc. Donc, on va parler de tout ça. Et bon, pour commencer, on va dire qui titre la vidéo là, ça. Titre la vidéo là, ça, c'est Eureka. Eureka, ça veut dire j'ai trouvé. Et on va dire mon Guadeloupe, attention, ou bien mon Guadeloupe, soyez vigilant. Donc, quand on va dire toujours non, bitin qui pousse moins. À faire vidéo là. Parce que moi, c'est sous inspiration. Je n'ai pas beaucoup de buzz pour faire mon vrai figuier en moi, pour faire mon vrai. Je n'ai pas là pour ça. Je suis là pour ouvrir l'esprit à peuple là. Et pendant là, on va saluer quelques mounes. On va profiter pour saluer le contemplateur GGDN de Montréal au Canada. Mignonne, mignonne. Elles vont dénommer Blément C. Elles veillent aussi au crier le Guadeloupéen. Tout ça, c'est des gens qui apprécient moi, qui apprécient vidéo en moi. Et moi, qui apprécie eux, parce que ils apprécient les choses qui sont dites avec sincérité, tu vois. Même si très red bas certains. Mais comme c'est des gens qui pas ni moussache au soleil, comme ils ont dit. On prend pas ni casserole, pas ni bitin. Donc, il faut apprécier ça en gadi. Et c'est là qu'il n'y a pas apprécier ça en gadi là. En j'ai ça pourquoi. Soit il faut soutenir ces politiciens merdiques là. Là. Soit c'est des gens qui sont vraiment méchants vers Pepayo. Soit c'est des gens qui n'ont pas conscience de l'État Pepayo. Mais tôt ou tard, tout ça n'est pas conscience de l'État pays. Il faut constater. Donc là, on peut constater, on peut commencer à parler de. Tout ça est passé dernièrement là, concernant les mondes Guadeloupe, etc. Les mises en garde à vue, etc. Quand il dit juste un des mots. Mais en fait, ça qui vraiment a poussé moi à faire vidéo là, c'est une information qu'on a attrapé il y a à peine quelques heures là, concernant M. Harry Chalus, qui est en catimini. Rencontrer Monsieur le Président de la République, qui veut dire Emmanuel Macron, le 8 novembre 2019, en catimini. Encore bien dit, en catimini. Donc, c'est parce que ça fait en catimini que ça fait un tilt en oreille en main, un tilt en tête en main. Et c'est là qu'on voit que Chalus, vraiment, c'est le nègre de service. Le nègre de service, vraiment, pas possible. Il faut comprendre, parce qu'il n'y a fait ça Macron. Il y a chef fait sa premier ministre là, quand il y a un petit poste à ministre. Il n'y a pas arrivé à un poste à ministre. Hein? Ça peut arriver en fait. Mais tout ça, c'est pour faire fermer bouche. Hein? Mais, concernant Bitin là, sa réunion là, enfin, rencontre là, rencontre secrète là. Parce que tout ça qui est secret, il faut savoir qu'il y a une manipulation derrière, il y a un Bitin qui n'est pas clair et net. Et quand on a dit, bien évidemment, si on a dit, pour ne pas réagir, à ces radios, à ces nationalistes-là, même si on a une nouvelle-là, on ne peut pas réagir, ça n'a pas intéressé. Ça, c'est le bitin qui a intéressé, c'est suivre des moutons contre des moutons. Même si tu as peur, tu as fun, il n'y a rien à foutre. C'est un leader, il y a besoin. Mais moi, des moutons, pas leader en moins. Moi, des moutons sont inutiles, anti-fonctionnaires inutiles. Et quand on a dit, on vient de trapper une nouvelle dernièrement là, on a parlé dans la première vidéo en moins. Que non, bougan moi qui te dit moi que femme à deux motas c'est ton blanche, on te dit qu'on s'en pas qu'à quoi ça. On te dit qu'on s'en pas quoi ça parce que là, ça t'est trop fort bon moi. Parce qu'après Gabli Kavi, après l'Ukraine, après tous ces autres là, quand on est là, là qui sont femmes blanches, et qui veulent foutre blanc de quand ils veulent dire moi que femme à deux motas sont blanches. Hmm? Comment faire pour travailler confirmation là? Pourquoi on a parlé de ça, M. Domota? À pas sujet à vidéo, moi, mais on a parlé de ça quand même. On a dit, oh là, on prend source là. C'est un des hommes en moi qui a travaillé avec Capestel et qui ont mis Hervé
et qu'ils ont mis avec un gendarme qui a pesté au bello. Et comme ils connectaient avec un autre homme, qui sont là, ça, ses amis en moi aussi. Et par rapport à l'amitié, l'autre ami là vient connaître le gendarme là, ça. Et dans le cadre de travail, le gendarme là, il a fait ses. Il est venu porter des manœuvres en civil, il n'a pas tenu tenu de gendarme. Hein? Et il vient en discussion. Et il dit, je tenu d'autres manœuvres, tenu d'autres collègues gendarmes qui étaient là, mais ils étaient en civil. Ils étaient porter des manœuvres. Et il vient parler de parole, il vient parler de Guadeloupe, de la Guadeloupe, de tout ça qu'il a fait dernièrement avec les mouvements de Guadeloupe. Et concernant Domota, il a demandé de. Il a dit gendarme là comme ça, qu'il n'a pas compris voilà Domota. Et le gendarme là répond comme ça, à quoi dit M. Domota. Et pour ceux qui n'est pas content là, il voit la gendarmerie de Capester Bello. Et ce gendarme là qui confirme ça, à quoi dit là. Alors le gendarme là arrête, pap, il dit comme ça, qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit qu'on a Domota. M. Domota, on le connaît. On connaît M. Domota. Sa femme, c'est une blanche. Et c'est une multimillionnaire. Et c'est en blanche de la principauté, je ne sais pas, d'Espagne, on bitin comme ça, on bitin comme ça. Vous comprenez? Donc, Domota t'es pas fou, 60 jours grève. Madame a été là pour bâtir 4 000 euros, ou elle a bâti 8 000 euros, parce que c'est l'argent qu'on pompe. Et pourquoi Domota a arrêté grève là après 44 jours? On te fait un petit commentaire sur une vidéo qui passait sur YouTube. Les gens qui lisent commentaire là, ça, y'a qu'à voir de qui commentaire ça. En fait, après 44 jours de grève, les fonctionnaires à Pôle emploi n'ont pas touché salaire. Donc, si M. Domota a fait 45 jours de grève, il n'a pas gardé les collègues en face. Donc, tout bita à Domota a calculé. Tout bita à Domota a calculé. Domota a pu rester 60 jours de grève, 100 jours de grève, madame a été là derrière pour la guerre, on a centaines de millions d'euros bail, on a 50 000 euros bail, on a 10 000 euros bail. Parce que madame est multimillionnaire. Et a pas n'importe qui monde qui madame a Domota. Donc moi, quand je dis que mon aïe suivre Domota là, comme mouton là, et bien parlant de Domota, moi, toujours quand vous chier parce que c'est trop inutile, Guadeloupéen, aïe chercher à sa vraie motivation à Domota, hein, et vous comprendre que vous ne pouvez pas suivre, monsieur. Ça, c'est une petite parenthèse. Je vais remettre les choses au point pour que M. Domota sache où il y a une information. Là. Et si vous n'êtes pas content, M. Domota, a demandé la gendarmerie de Capester Bello, a demandé tous les chefs gendarmes de la Guadeloupe, ils ont tout dossier à Domota, ils ont dossier à Madame Mao. Ils ont dossier où il est sorti. Parce que la France est un État organisé. Ok? Monique, le KGB, CIA, tout ça, ils ont Interpol, ils ont tout bitin tranquillement la France. La France est un grand État. Et c'est un grand État espion, comme la Russie, comme les États-Unis. Donc, moi, M. Domota, avec Mme Blanc, qui est multimillionnaire, moi, pas qu'elle suive malade là, ça. D'accord? Donc, Domota, pas tes sujets à moi. Hein? Mais comme l'homme de TV, ça vaut l'en tirer information là, ça. A qu'à dire, on l'en tire. Et ça qui n'est pas content, il y a descendre la gendarmerie de Capester Bello, il y a demandé ces gendarmes-là, qui est M. Domota? Et si vous tombez sur un gendarme qui n'est pas connu, vous avez un vrai chef à gendarmerie là pour vous demander qui est M. Domota, qui est Madame M. Domota. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle comme ça. En partie, vous avez déjà dit moi ça, mais en partie, vous avez ça. Faut avez une confirmation, vous avez une confirmation de un autre niveau. Moi, parler de ça publiquement parce que Domota est un homme public. Il est dans les syndicats, il est content dans nos peuples, il est content dans le travail. Même pour tout ça qui a fait de mystérieux et de caché. Tout comme les politiques, ils ont compte à rendre à la population. Parce que les occasions de meeting, bientôt c'est que les élections municipales, en grande partie de ces bougas qui viennent représenter, ils ont dit que oui, qu'ils ont compte à rendre à la population, ils ont rendre compte à la population, etc. Et mon bilan, et mon bilan, et mon bilan. Donc les hommes publics, nous n'y droit parler de eux. Et les gens qui vivent en bas, les sons, etc. Qui disent vraiment, ça n'a pas qu'à garder les autres. C'est maquereau et maquereau qui est en pays là. Et déjà, j'ai dit que tous les gens qui ont quartier, ils connaissent qui m'en aille. Ils connaissent qui m'en aille. Et j'étais sous écoute téléphonique depuis Saint-Claude, depuis là, la police nationale de Capester Bello.
Donc depuis la police connaît qui mon aïe, l'État connaît qui mon aïe, on n'a rien à foutre des autres de Guadeloupe, des autres vrais visages à moi. Ça pas qu'à garder les autres. Ils sont trop maquereaux et trop maquerelles. Sans te qu'ils ont envie, c'est qu'ils ont ouvert l'esprit à Pépas et qu'ils ont réagi de manière positive pour que nous avancions. Parce que pour l'instant, c'est de l'eau caca et de l'eau cordée qu'on est au cabré. Ils ont combien de terres, combien d'esclaves, ils ont besoin de prendre leçon. Donc tous ces gens-là qui ont envoyé des messages, besoin de moins des paroles, prendre leçon, à quoi vous ils ont chié, à quoi ils ont dit, à quoi ils ont chié et foutez moi la paix. À quoi ils ont ça gentiment et tranquillement. Donc là, quand ils parlent, bah, quand ils parlent de mouvement Moun Guadeloupe, tout ça est fait la dernière fois là. Garde à vue à yo. Donc faut pas y étonner yo parce qu'on déjà dit ils ont assis de dernier ou avant dernier vidéo. On m'a déjà averti ils ont que ils ont été cassés. Et comme dit comme fait ils ont souhait. Mais garde à vue à ils ont tout ça peint qui était autres. Bon Dieu, déjà savent que vous avez fait garde à vue là, il faut vous avez fait. Parce que nous avons bien compris la synchronicité. Parce que si vous observez, on s'y mène pas même passé, vous foutez Charlie sans garde à vue. Ok? Vous foutez Charlie sans garde à vue. Espèce de gros bandit qui a parlé de la jeunesse, qui n'a rien à foutre de la jeunesse, qui longtemps j'ai pas payé d'eau. Son petit carrière, c'est bizarre, petit poste à ministre, qui a niché fait ça Macron, niché fait ça Macron. Mais il n'y a pas vrai que c'est Macron qui dit garde à ministre là que il pas été qu'il veut on bitin que lit soit disant organisé il pas été même veut qu'il rentre là tenu lit tout le monde voit vidéo là sur YouTube tenu lit tenu mère Abé Mao la polyfonte tenu mère Petit Beau et tenu qui l'autre là encore là à Théophile ben il quand rentre d'après yon grand. Eh bien, quand yo dit comme ça, non, vous entrez par la porte des chiottes. Vous entrez par la porte des chiottes. Ok? Vous avez fait mon bois de l'eau caca, donc rentrez par la porte des chiottes et respirez l'eau de la caca là. Vous comprenez ce qui Guadeloupe qui respire de la caca là, respirez, tibre. Et sans compter que le préfet l'a passé, le préfet l'a pas même gardé Chalus vers Guy Losbau, avec Polyfont. Il y a une passe fou puis tourner de way. Il fait qu'on s'y passe jamais les autres là. Et vous, quoi dit, ou, et vous, Michel Chalus, le nec de service, ou quoi vous, Michel le préfet, pour attaquer mon Guadeloupe en justice, mais vous trouvez inutile, nec de service. Vous trouvez inutile. Vous trouvez inutile, Chalus. Mais qui t'en nec qui grandit? Qui t'en nec qui grandit? C'est là où vous montez au nombre en pays, où vous montez au respecter pays, où vous êtes bon certain. Où les offres sont divines par bateau. Pour qu'à chaye zodi à Moun Saint-Barth et Saint-Barthélemy. Hein? Occupez déjà de la civade correctement, qui ont déficit, etc. etc. Ou qu'on font pas qu'une magie, ça fait zéro déchet. Pour moi, tout ça, c'est magie. Donc, quand on dit Moun Guadeloupe, tout ça est fait là, la mise en garde à vue à Zot, ça t'est pour fait. Parce qu'il faut mise en garde à vue à Chalus, c'est fait. Parce qu'il faut Chalus savent qu'il y a un esprit qui a gardé tout ça au café. D'accord? Ils ont l'esprit qui a gardé tout ça au café. Vous pouvez faire tout dictateur, mais vous savez qu'il y a la dictature. Et en parlant de dictature, on est dans la playlist, à chaîne. Donc les gens qui veulent voir cette vidéo là, ça a duré à peu près une minute. Il n'y a pas moi qui fais, c'est une chaîne, notre chaîne là, c'est Locola Congo TV. Mais depuis que cette vidéo là que vous attendez, ou bien les autres vidéos au moins, Zoka tapé, Zoka pied d'autre, Zoka assis ti logo violet là, là il m'a marqué Bella, et puis Zoka entré sur chaîne à moi, Zoka ici playlist, et Zoka voit une petite vidéo qui a duré à peu près une minute, tant que Jean le président Kabila. Kabila a oublié de qui, c'est président en République d'Afrique là. Et puis, comme il y a un bitin qui passait vers ses députés, moi il me semble que c'est des députés, mais Zoka regardé cette vidéo là. Comme ces députés-là n'ont pas d'accord avec ils punissent ces députés-là. Alors, quand on entre sur YouTube, on a vu Kabila punir ces députés, tout bitin, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Là, on a regardé cette vidéo-là. Et on a montré au monsieur fait ce monsieur Cisate là, à dans couloir là. Écoutez, c'est encore 10 autres, hein. En une vidéo là, c'est playlist en moi. Donc les gens qui sont ici chez moi, ils ont tapé à ce petit logo là qui est en bas vidéo là, ils ont écouté là actuellement là.
ti logo violet là, donc à pied ici, ils ont quand entré si chaîne à moi, ils ont quand ici playlist, ils ont que voir ces vidéos là ça. Hein? Alors comme ces beaux gars, ces députés là, pas d'accord, ils disent pas d'accord avec un bitin que Kabila TV fait. Monsieur Pinio, il fait ce monsieur Cisater là, à quand ils ont Cisater une fois, fait ça ces beaux gars Cisater avec gros complet à yo. Ces beaux gars au moins dizaine ou vingtaine, ils Cisater là en couloir là comme ça. Un penny pour tabac yo en main, yo Cisater là. Bouga pini yo, il fait yo Cisater là. Et puis les autres mouni qui travaillent là, yo ka passe en couloir là. Yo ka passe en couloir là, yo ka fait conseil pour j'envoie ces messieurs là. Donc il pini ces messieurs contre Simon. Donc moi quand dit là, quand regarder les kemise ba avec une avec Gucci là la LDN, Ligue de défense nationale africaine là. Moi quand dit ont un grand chemin à faire même avec ces politiciens la zone là en Afrique là qui de sur quoi pratiquement près de 80% dans la franc-maçonnerie. Ils ont un paquet de vidéos aussi. L'avantage c'est que tout le temps ils filment, quoi voir visage à eux, tout le temps ils pas caché eux par contre, parce que en Afrique c'est différent qu'ici. Hein. Gens là que nous qu'a voir la franc-maçonnerie, il n'y a pas même bitin que peuple là qu'a voir ça, peuple en Afrique qu'a voir ça. Vous comprenez non? Donc une petite vidéo avec des blancs franc-maçons à eux, etc. Hein? Donc on peut vérifier ça sur YouTube. Hein? Donc tout ça c'était pour faire un petit clin d'œil à M. Charles le dictateur. Je ne dis pas différent qui c'est monsieur. Et il méritait de garder la vue là quand il arrive là. Et on constatait que tout de suite après garder la vue là, Macron qui fait monsieur honte. Hein? Parce que là, quand vous avez une vidéo là, là, il a refusé Charles entre là, il était avec Polyphonte. Ça qui est choquant, le monde ne fait pas attention à ça. C'est que Polyphonte est vert, écharpe bleu, blanc, rouge. D'après, il a représenté un bitin d'après. Normalement, on est écharpe bleu, blanc, rouge. Là, ils savent qu'ils sont élus de la France. Eh bien, il dit Polyphonte, rentrez par la porte des chiottes. Petite négresse que vous êtes. Il y a un moment, si vous avez écouté bien, vous avez un homme qui a dit les mères, pas aussi là, ils n'ont pas le droit de rentrer là. Donc, tout ça, ça vient d'en haut. Et ça vient de la part de M. Macron. M. Macron a réinvité Charles en bistan à une réunion à Katimini. Charles a venu avec l'espratinec de service à une réunion, à un petit complot à M. Emmanuel Macron. Mais comme Guadeloupe n'a pas réagi, bon, il y a des autres cas qui viennent dans l'esprit à moi. Il y a plusieurs hypothèses. Soit, avant la Noël, Charles qui a annoncé un cadeau de Noël, peut-être concernant l'eau ou bien autre chose. Soit à la prochaine visite à M. Macron. M. Macron qui vient mener un petit cadeau aussi concernant l'eau. Mais en attendant, tout nous en pounamoun. Tout d'eau en pounamoun. En attendant. D'accord? En attendant, tout d'eau en pounamoun. D'accord? Donc, il y a une autre possibilité encore. Soit il a fait Charles un petit cadeau, un petit poste, un petit bitin, parce que il était fait en premier gorge, pas rappelé moi pour quel bitin ça a été fait en gorge contre le président de la République. Il était fait en gorge et puis le président là était un petit poste à donc conseil de je ne sais quoi. Là, regardez Charles, il a mis bouche à pas. Donc déjà, c'est carrière risque là. À part pour la Guadeloupe, il a travaillé, il a fait un petit coup de ministre qu'on lui a dit qu'on chèvre pour monter qu'il y a donc temps. Mais moi, je dis au Charles, pitapitris. Et Borel, un certain pitapitris. Parce que pour l'instant, je ne peux pas respecter Pepe Azot. Il est président d'Aglo et il a Pepe Azot, il a dit qu'il a pitapitris. Parce qu'ils n'ont pas fait un plan sérieux. Hein? Ils ont attendu que c'est la région qui dépense l'argent Bazot. Alors que, concernant l'eau, c'est les communautés d'Aglo qui doivent être faites bitin à eux. Hein? Hein? En accord avec le SIAG. Hein? Et Guadeloupéen là, il n'y a pas dit rien. Donc moi, comme Guadeloupéen, je dis quand je pense des autres et de l'acheter à autres, après qu'il bourre plus. Mais là, quand il parle de deux autres petits bitins encore là, un bitin qui choque moi vraiment, on vient d'entendre que le maire de Goubert, Lucas Demar, vend une centrale hydroélectrique pour 18 000 euros. Qui est-ce qui réagit si ça? Pour les médias pas réagir si ça. Pour les Guadeloupéens pas réagir si ça. Avant, c'est le beau qui font une vidéo là, mais il doit être
il doit être qu'à travailler dans pas ça dans Kibitay, il doit être concerné par l'affaire. Il fait un petit vidéo quand même, mais en Guadeloupe, même pas monde pas réagir si ça. Bouga yo ka a demandé au gouvernement central hydroélectrique 18 000 euros. Les peuples n'ont pas rendu compte. En centrale, pas hydroélectrique, hydraulique, 18 000 euros. Ils n'ont pas rendu compte. Les peuples, 18 000 euros. Ils n'ont pas senti que c'est spéculation, mouvement spéculation qui a fait de ça. C'est bitaz ami. Et Guadeloupéens qui ont voté pour Ademao. Guadeloupéens qui ont voté Bacarabin. C'est mon assez pas Jean-Répéra, Paré-Tuyo Amoul. Ils ont voté Justine Bénin. Il a encore guillemets, en vrai, on annonce à Justine Bénin qui a présenté candidature. Il a encore parlé de Moun Moul. Moun Moul qui est conscient. En passant, si ils ont souffert avec tout le dos, ou si ils n'ont pas commencé à souffrir tout le dos, mais si vous avez tiré qui carabin, qui mange Justine Bénin, qui sont une négresse complexe et qui a fin couler la mairie moule, parce qu'elle mange avant Justine Bénin qui vient, tout ça c'est d'ici par l'irrel, c'est des négresses complexes et mégalomanes qui ont embauché, qui a fin couler la mairie moule, vous avez vu que vous avez une négresse là ça. Mais ton tebe, puis toi la mairie moule, la carte de ton tebe, c'est un monde qui prend en deuxième position. Et moi, bien, voici ce qu'il y a mettre. Mais au Guayave, actuel maire de Guayave, Ferdinand Louisien, encore, il a voté. Il a besoin de voir sa prochaine élection. Il a besoin de voir si il a mis Gilos Bao, qui a besoin de l'eau marron, qui a besoin de construire le golf. Il a besoin de voir ça. Il a besoin de voir si il a mis Jacques Bangou, qui a représenté aux élections. Il a besoin de voir si il a mis qui n'a pas Laurent Bernier, hein? En tête à la tête à Saint-François. Il me semble que c'est Saint-François. Hein? Entre guillemets, tu fais un petit commentaire si c'est déconné. Il y a des gens qui te disent voter, pas c'est déconné. Pas voter, pas t'es malade là, ça. Son petit mégalomane. Son petit mégalomane. Il a fait pire mauvais en télé, son petit commentaire concernant monsieur. Il a fait pire mauvais qu'il met monsieur Dupont là, qui te disent vendre tout le tour à la gauche, à l'étranger. À d'autres interviews, fait là. Il dit les communes sont condamnées à mourir. Donc, monsieur, pas rien à foutre de la commune. Et déjà, il était glorifié l'Irel pour mémorial Actaï, etc. Espèce de petit mégalomane, espèce de petit malade. Hein? Donc, moi, je ne dis pas foutre ces messieurs en tête à pays. Là, foutre des gens qui ont peur qu'attendre que c'est ces gens-là qui sont là. Et les gens-là, ça font essayer. Gardez ce qu'ils ont fait. S'ils font magie, tirer en son seul coup pour les gens à présent parce qu'ils ont mis l'air avec ces gens-là. Même quand on dit en bien rêver, s'ils ont qu'à remettre. Aux prochaines élections, les mondes actuels là, tous les maires là, normalement, vous allez balancer yo. Et tous ceux là qui viennent venir de deuxième position là, il faut pas y venir. Parce que pensez que ça n'a pas réagi concernant le bita problème de l'eau. Sérieusement. Pon yon, yo tout ka gade tout do, yo ka attendre les prochaines élections. C'est ça, te bizan dit concernant le bita là, ça. Et, te bizan parle aussi de M. Ibo Simon. A pas d'erreur à parler, M. Ibo Simon, hein. Mais on constate que vous avez besoin de faire un petit mouvement pour rendre vos hommages. Mais je dis ça bien, que vous rendez vos hommages, parce que moi, pour moi, je suis un bouc solide quand même. Mais on a des certaines petites faiblesses. Vous tenez des certaines petites faiblesses, notamment là où vous avez vu une mère Pointe-à-Pitre, là où vous avez entouré un paquet d'affaires, un paquet d'amours faux. Notamment un avocat là, qui était capable de se canaliser du sévère. Et puis, une autre anecdote concernant un avocat là, ça. Là, on n'a pas nommé non rien. Alors, quand son janté la pointe, là, ça a fait plus d'une quinzaine d'années. Hein. Alors, beau cabaret, moi, beaucoup qui parlent une espèce de créole comme un bon, moi, même, je ne pas comprendre qui créole, monsieur qui parle là. Moi, j'ai senti qu'ils sont haïtiens. Dans le créole, là, ils sont là, mais, ou senti qu'ils sont beaux, avant, ils ont eu des bas, ok, et ils ont eu plan là, ils ont dit, ils vont tel avocat, parce que c'est tel avocat qui a occupé des étrangers. Mais, monsieur prononcé non avocat là, il mal prononcé non là, mais, il était qu'à sans nom là, à mon là qui t'a éveillé Ibo Simon là. Il t'a venu sur Canal 10. Mais tout ça, c'était des fous des gens qui ont été envoyés pour aller à Ibo. Mais comme Zia, Ibo n'a pas été ouvert. Ibo était envoyé mes points à pète. Ou à connaître le nègre, il est dans l'affectif. Mais il n'a pas vu que tu n'as pas de formation à l'entourage, qui était entouré. Ou comprendre qu'il était visé pété rien. Mais il n'a pas rendu compte de ça. Ibo était sincère dans des marchés, mais il était entouré avec un paquet d'affaires. Et pour finir, c'est une anecdote en moins. Et quelques temps plus tard, on était à peu près au même côté là. Et puis, devant le cabinet à l'avocat, là, ça, il y a une espèce de petit bitin sur lequel on peut préparer l'appli.
Et là, quand la pluie est tombée, comme là, regardez, arrêtez pour parler la pluie. Pap. Là, regardez, quand tourner nos dos en moi pour garder, quand vous avez marqué si. À City, bitin là, là, tu. Après ça, moi, je vais appeler ça, là. On est un avocat là, etc. Bivouaille là. Et puis, encore vrai, nous avons un ça, qui dit, mais c'est mon ça, il y a 26 canaux, il y a un Ibo. Et Ibo, il y a parlé de l'immigration clandestine, etc. Et monsieur, au lieu de prononcer la lettre, il prononçait la lettre, son consonant, il a commencé, nous avons là, mais prononcer restant, nous avons là correctement. Mais et, comme il a parlé français là mal, il mal prononcé le premier consonant là. Et t'a peu près même côté là que Bogaté barré moi là qui veut dire que c'est pas un hasard. Et à Kagadé a dit mais c'est madame là ça qui était qui a 26 canal du CV Ibo soi-disant Ibo te cavoyer en l'air etc comprendre des éléments sérieux. Et il se trouve qu'avocat là ça et quelques pas ni longtemps des ça pas ni longtemps des ça il était interviewé et spécialité là ils étaient occupés de cas les étrangers particulièrement les étrangers qui en situation clandestine en Guadeloupe. Or, Ibo te ka parler de immigration clandestine. Hein? Et là moi revenir à ça te ka dit moi pas perdre finalement. En moi, à regarder un paquet de monde veut faire vidéo sur YouTube avec Ibo ka éviter Ibo tout bitin. Mais pour monde pas continuer parler de ça Ibo te ka parler là. À part au moins et moi peut blaguer ça. Tout monde a besoin faire ti vidéo avec Ibo. Là voit Ibo la maladie j'attendi. La faiblesse j'attendi bien que il pas perdre l'esprit y ni tout l'esprit y a. Mais la maladie j'atteins beaucoup quoi vous quoi senti que vous regardez figure Ibo quoi senti que une ambition qui frappe santé Ibo comprendre mais Ibo solide quand même là vous bougez aux gens presque à gaga ils ont besoin faire tout bitin d'après autres ils ont besoin faire vidéo sur YouTube mais ils ont point pas continuer travail là que Ibo t'es qu'à faire là qui veut dire parler de certaines choses tout le monde a quand même dormi ils ont besoin faire le buzz sur YouTube avec Ibo. OK, c'est ça te veut dire concernant bitin là ça. Et puis, une autre vidéo est passée sur YouTube là, concernant les mondes Guadeloupe. Là. Et puis, c'est monsieur Yannis Chipotel qui parlait de on l'argent, on a fait un million quand il y a bas ces politiciens là pour les tours d'eau. Et l'argent l'a fait la fumée. Et nous, à projet là, c'était sans regret. C'est pourquoi vous avez tout l'argent là et tout d'eau, c'est toujours. Qui veut dire depuis que vous voyez un million de ces messieurs, faut ces messieurs faire disparaître dans la fumée. Et il n'y a pas de bonne nouvelle, hein, ou pas de bon politicien, du siag. Ni pour calter la communauté d'Aglo, qui a porté pour manœuvre, pour réparer, pour bitin, pour calter, pour arrêter tuyau d'eau. Il n'y a pas de si Charlie, c'est un plan d'urgence bidon à il a là. Hein? 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 Non, plan là, c'est sans regret. Il faut qu'il y ait tout l'argent là. Et qui monde qui réagit sur Radio Commerciale Internationale, à si Radio Assez Indépendantiste là, à si Guadeloupe la Crémière, concernant le détournement de fonds là, ça, pour monde pas réagir. Ils ont quoi comprendre de dire qu'ils ont quoi ni de l'eau, Guadeloupe. Hein? Ils ont quoi comprendre de dire qu'ils ont quoi ni de l'eau. Et en TV Fontiro, concernant les Antillais, monsieur Ludovic Tolassi qui a parlé régulièrement de certaines choses. Il a parlé de certains Antillais en France qui a dit qu'on sa que ça il a dit ça quand merde yo que si était en Guadeloupe il était venu soutenir yo menti à tous ces monde là ça menti à tous ces monde là ça les Antillais qui en France c'est des Antillais qui étaient en Guadeloupe c'est tout et ouais en France soit pour y trouver travail parce que bitin là t'es trop bandé en Guadeloupe terminé les mêmes Antillais qui retournaient en Guadeloupe pas ni si longtemps que ça. Combien d'en yo qui te avec les autres devant le commissariat là? Encore parler de cela qui a dans la région Pointe-Trois Abîme, qui le plus près de commissariat là. Combien qui a venu avec les autres, soutiennent les autres dans le mouvement les autres? Là, ils sont en France, ils ont dit, ouais, ils étaient bien, mais ils étaient avec les autres. C'est parce qu'ils sont en France, ils sont ni l'imbé à la Guadeloupe. Mais c'est même là, ça, ils sont en Guadeloupe. Ils sont tous dormis, hein, qu'on les Guadeloupéens. Hein. Donc, mes affaires, yo ka di yo, tout là, si yo si te en Guadeloupe, ben, tout ça c'est parole. Tout ça c'est parole et blabla. Tout ça c'est les mêmes Guadeloupéens qui étaient en Guadeloupe. Yo immigré en France tout simplement pour yo te trouver travail. Mais c'est même si l'esprit a dormi là, même si l'esprit a, vous comprenez, a hypocrisie là, qui est en tête à yo. C'est l'imbé à payer à yo, tout simplement. D'accord?
Donc, en pas te veut dire grand-chose. C'est ça, te veut dire. Et puis, concernant mon Guadeloupe, quand ils disent que le travail là, ils ont fait là. C'est un petit porte qu'ils ont ouvert. Mais grand porte là même pour ouvrir là, c'est Guadeloupe qui est ouvert. Mais à part présent, ils ont ouvert. Ils ont ouvert dans la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas été venus pour la Guadeloupe, quand ils disent que concernant l'eau. Guadeloupe n'a pas savoir qu'il y a souffrance, qu'il y a tout d'eau. Là, ils ont subi des tours d'eau de un an, les Guadeloupéens, un an, deux ans, quand on te dit, ce qu'on dit, les autres là. Parce qu'ils ont des petits mounas qui sont dans les écoles primaires, qui ont boit de l'eau polluée, là, qui ont boit de l'eau caca là. Ils ont un bon Dieu qui a vu ça, qui a vu santé à ces petits mounas, ça n'a pas duré éternellement comme ça. Alors, tout le monde qui a eu aux élections, et qui nous a mis ici, hein, et dit planter, ouais, journaliste à radio commerciale là. Là. Ils ont interviewé ces politiciens là, ces politiciens abîmes là. C'est là qu'il a vu contre Jalton là, c'est là qu'il y avait Jalton là. Il a fait comme si il n'y avait pas de problème. Les élections qui viennent, c'est là qu'il a dit qu'il a parlé de Kiki, de Kiki, de Kiki. Et tout le monde n'a qu'à garder. Guadeloupe est en bas tout de l'eau. Hein? Il y avait plein d'urgence bidon à Chalice. Pour moi, pour pas dire, il faut que les communautés d'agglo prennent leurs responsabilités. Parce que tout ce qui concerne la réparation des eaux, des tuyaux usés, c'est de la compétence des communautés d'agglo. D'accord? Donc, pour ne pas dire rien, tout le monde a qu'à attendre que c'est Chalus, c'est l'argent, la région qui a réparé le tuyau. Non. Et pour ne pas porter plainte contre Chalus, contre détournement de fonds, non, Guadeloupéen. Donc, quand on dit qu'ils ont bon Dieu, qu'il y a vrai, c'est Timouna Zot là qu'ils ont pas aimé là. En plus, c'est Timouna Zot qui Zot. C'est là qu'il y a Timouna à l'école primaire là. Timouna Zot a boit de l'eau robinet là, de l'eau corde conne là, de l'eau caca là. Surtout Sainte-Rose. Petit Beau, Bémao, à Cassité, qui c'est là. On ne peut pas parler de Basté. Parce que pour Basté, c'est normal, il y a des bois de caca. Chez vous, il y a 0,4, pas de problème pour moi, dire rien. Eh bien, continuez comme ça, Basté. Oui. Continuez comme ça, pas de problème. Mais c'est habitant qui prend peine à eux. Mais peine à ces gens qui prennent peine à eux, parce qu'ils n'ont pas encore raisonné. Ils ont des adultes, ils ont un sens du raisonnement. Nous avons un sens du raisonnement. Je ne prends peine à ces gens. Même si ils n'ont pas aimé ces gens, je vais aimer ces gens. En cas de ça. Même si vous n'avez pas aimé Timounazot, vous n'avez pas aimé politiciens qui Timounazot, mais moi, j'ai aimé Timounazot qui politiciens. Parce que c'est des innocents. Et sens de raisonnement, ils n'ont pas développé. Tandis que vous avez déjà développé, vous avez fait mes yeux, vous avez lâché. Une loi dans un bisin, en laissant. Bisin vrai qui Timounazot, ils ont trop marqueur, ils ont trop marqueurel. À cause de ça, c'est là que les gens savent qui Timounazot est là. En cas aussi, ils ont tout connaître qui Timounazot est. J'étais sous écoute de la police national de Capesterre Bello et du centre d'écoute de Saint-Claude pour certaines raisons quand pas qu'ils disent autre. D'accord, depuis l'état français comme les qui n'ont rien à foutre que les autres descendants d'esclaves ont besoin savent que n'ont. L'important c'est qu'ils ont réagi à si la merde dans laquelle pays les autres ils ont pas qu'à réagir. Mais ils ont s'occuper des affaires mon anti quand mépriser mon c'est la zone guadeloupéen. C'est pour ça là qu'a gardé les boucs qui mis ces et puis l'autre bouc là qu'a parlé pour l'Afrique, qu'a dit l'Afrique ils ont grand chemin à faire. Parce que les Africains ont un petit côté de Timoun toujours, ils ne veulent pas sortir de côté de Timoun. Ils ne veulent pas grandir. Son peuple ne veut pas grandir. Son peuple qui n'ont l'eau capacité. Les Noirs sont peuple qui n'ont l'eau capacité, mais ils ont faiblesse. Ils ont de l'affectif. Tandis que les Blancs qui raisonnent d'abord, qui mettent l'affectif à côté. C'est ça qui a perdu nous. C'est là pour nous évoluer. Hein? C'est là pour nous évoluer. Et pendant qu'on a parlé de ça, on a une petite vidéo à ces playlists en moi là. C'est là qu'il y a si chaîne en là que voyez si playlist en moi c'est un madame qui fait 11 ans d'études de médecine comme tous les médecins il y a en Afrique et il y a soigné des petits monde qui ont diverses pathologies etc et puis son blanche en cas précis c'est son blanche je connais dans la comme il fait 11 années d'études de médecine en Afrique qui a compris de dire qu'il est plus intelligent que tous ces africains là qui là dans l'hôpital là alors il a mené un petit africain bail. Alors, il a dit aussi que Jacques a dit tel butin, tel butin. Jacques a prévu à ouvrir l'estomac à Timouna, couper l'estomac à Timouna, à ouvrir le foie à Timouna. Là, regardez, un Africain vient lever un stéthoscope. Il a carré dit un stéthoscope, les frères. Hein? Pourquoi il a passé un stéthoscope à Sikwa Timouna, qu'on a pas différents endroits. Là, regardez, il a dit femme blanche là comme ça.
tel butin, tel butin, tel butin, tel butin, ça c'est pancréas, tel butin, tel butin. Donc il suffit de tel butin, tel butin. Ou pas besoin, pas besoin chirer l'estomac à tout le monde, pas besoin fan de ventre à tout le monde là. Alors que Blanche là, tu as fan de ventre à tout le monde là. Et pas réussi à diagnostiquer butin. Les femmes là viennent tebe. Les vrais cas africains là, diagnostiquer, qu'a été arrivé tout le monde là. Et pourquoi tomber sur le diagnostic juste. Et Blanche là, qui fait 11 années de médecine là, il dit pas comprendre. Il reste tebe. En une vidéo là, c'est playlist en moi. Donc les gens qui ont ici chaîne en moi, ils ont tapé ce logo violet là, ils ont ici chaîne en moi. Ils ont ici playlist en moi. Et cette vidéo là, ça là. Hein? Un Africain, un médecin africain donne des leçons, hein, il a bas des leçons à un docteur occidental, qui veut dire un blanche qui fait 11 années de médecine, etc. Il a compris de dire parce qu'il est blanche, il fait 11 années de médecine, il connaît plus que c'est africain là. Africain là vient avec un stéthoscope. Il manie l'estomac à Timouna. Pap, pap, il dit pap, pap, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, terminé, terminé. Il fait ça, il tenait à faire. Et il savait que pour notre tika Bouga était juste. Et Bouga pas utilisé pour matériel sophistiqué. Et Blanche là, même dit comme ça, qu'il a même développé. Mais il voit que ce monsieur, Piro qui était honte, 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 honte. Il voit que Bouga vient avec un stéthoscope. Il manie l'estomac à Timouna et dit oh là, problème, il a été sorti. Donc, j'ai une vidéo là, si playlist à chaîne en moins. C'est pour ça qu'on dit les noirs, ils ont hauteur. Ils ont hauteur que blanc la panique. Mais nous avons une grande faiblesse. Nous avons refusé de travailler cette faiblesse là. Ça. Nous n'avons pas que de tao. Que nous avons refusé de travailler cette tao là. Ça. Vous comprenez? Nous avons sous-estimé nous par rapport au blanc. Et c'est ça qui a fait nous faire derrière. Nous avons méprisé nous par rapport au blanc. C'est ça qui a fait nous faire derrière. Mais le noir a énormément de capacités. Et c'est qu'à franchir là, quand il y a des peuples en mon voisinage, en moi, les gens avaient des certains mondes. À quand il y a des gens qui montaient, descendent, montaient, descendent, qui écoutaient les mensonges à ces politiciens-là, dans l'affectif, qui soutiennent les politiciens virés pour eux, j'apparais à revoter, c'est même pour eux là, ils foutent toute l'argent de là. Mais quand on dit en besoin voir les prochaines élections, Guadeloupéens, en besoin voir les prochaines élections. Mais quand on dit autres, quand on revient à mon Guadeloupe là, à quand les autres mondes Guadeloupe, ils ont ouvert un petit pot. Mais ce sont des événements qui font Guadeloupe lever. Parce que Guadeloupe n'est pas paré pour lever. Guadeloupe n'est pas levé. C'est un qui pour titre à chèque déjeuner à eux, etc. Quand on a mis les Nice là, ils ont fait un petit mouvement militaire, soi-disant là, etc. Dans le cadre du travail. Pour ne pas faire de travail à eux. Mais ça fait la Guadeloupe, ça n'a pas intéressé eux. Parce que ils ont été sous le commissariat, ils ont été comité restreint, ils ont été vers la famille. Hein? Ils ont pointé à peu. Tout le monde descend dans la rue pour voir un incendie. Tous ces gens-là, là, qui descendent pour voir un incendie là, là. Combien qui descendent devant autres pendant autres en garde à vue là devant le commissariat là. C'est pour ça qu'on dit Guadeloupe est très hypocrite. Il faut qu'on accepte que vous disiez que vous êtes hypocrite. Il faut qu'on accepte de vous en face, arrêter de cacher les autres, des belles figures, des belles voix, tu comprends, c'est des gens. Ils ne sont pas en merde parce que c'est le caca, ils ne sont pas en merde. Ok? C'est tout ça que tenir à dire pour aujourd'hui. On peut espérer que l'incendie là ouvre l'esprit à peuple là. Et que d'autres monde qui continuent à ouvrir bouche à eux. Parce que pour moi, on n'a pas trouvé pour moi qui ouvert bouche à eux sérieux pour parler des butins sérieux. Excepté peut-être un certain dénommé David Eros, bien qu'on a dit qu'on a pensé. Il a osé dire certaines choses. Mais encore, Eros originaire de la Guyane. C'est sans t'étendre, vous te dire. Hein? Mais pour en t'étendre en Guadeloupéen même, quand vient défendre Guadeloupéen. On l'a fait. Premier monde qui bat. Mon Guadeloupe en force à si chaîne YouTube, c'est moi. Premier monde. Deuxième monde qui bat mouvement Mon Guadeloupe en force, c'est Fokli. Et Fokli sont haïtiens, GGDN. Et Fokli sont en France, cité. Et après Fokli, on est à la base de parole chronologique. On est à Kérosène qui vient. On est à Naïsi qui vient. Et on est à Sister Doll qui vient. Mais tous les autres artistes là, ils ont tout dormi. Ok, en bas, on ne lit pas ordre chronologique. Mais quand même, tous ces laïba, mon Guadeloupe Fossa, qui Kero, qui Sista Dol, qui n'a ici, etc., a qu'à féliciter quand même parce qu'ils ont fait un geste quand même. Ok, mais en tout cas, que tous les autres artistes aussi, ouvrent bouche à eux, et arrêtent de fonctionner en mode de lâcheté pour attendre que les politiciens invitent les autres à dans un festival pour baser ton l'argent, c'est à dans sa zoye. Mais il faut savoir que vous avez une souffrance pour vous, vous n'avez pas vrai.
Ils n'ont pas une vraie souffrance. C'est pour ça qu'ils ont permis aux autres de rester dans le coin. C'est pour ça que Guadeloupe a permis aux autres de rester dans le coin hypocrite. Mais quand ils ont pita pitris, ils ont qu'à lever Guadeloupe. Mais lever là qui fait dans la souffrance. Ils ont bien dans la souffrance. Et ils ont encore big respect pour mon Guadeloupe, Ludovic Tolassi, tous ces gens-là qui éveillent là. En pas qu'à dire plus. OK.